gars, hey, je viens de mater un film de ouf sur Cube, KUB. Ça s'appelle Posté à bord. En fait, c'est un film qui parle d'un bateau qui part de l'île de la Réunion pour aller pêcher la légine aux îles Kerguelen. En fait, sur le bateau, il y a toutes les nationalités, mais d'abord, il est dirigé par 9 bigoudins. Tu sais, les bigoudins, c'est ceux qui vivent dans le sud de la Bretagne, à côté de Quimper. Des fois, ça pose des petits problèmes de compréhension. Du coup, le capitaine, il fait des gestes, comme ça, c'est plus clair. Enfin, clair... Je comprends pas, capitaine. Quoi? Mais ça? Ça? Ah! Non plus, tu comprends pas? Non? Alors sur le bateau, on voit que la petite différence entre les marins français et les marins étrangers, bah c'est que les marins étrangers ils sont beaucoup moins payés que les marins français. Mais pour les marins étrangers, déjà le salaire qu'ils reçoivent, bah par rapport à leur niveau de vie, c'est énorme quoi. Allez, v'là ta paye. Eh, dépense pas tout d'un coup, hein. Alors comment c'est possible en fait de payer des marins étrangers à ce prix-là? En fait, le bateau, on découvre qu'il est immatriculé dans un port complètement fictif, ce qui laisse croire qu'il est français, alors que quand tu vas là-bas, en fait, c'est un rade avec que des manchots, c'est les petits pingouins, et du coup, les lois sociales ne s'appliquent pas à bord. Ce qu'on voit aussi à bord, c'est qu'il y a un contrôleur, en fait, c'est un gars qui est envoyé par une commission. C'est pas vraiment un matelot, il est vraiment là pour voir si le capitaine y respecte toutes les normes. Parmi les tâches qui incombent au contrôleur, comptabiliser les oiseaux noyés, les conséquences d'une pêcherie abusive qui ont tué dans les années 80 jusqu'à 2500 par marée. Bah ouais, parce que non content de bouffer la moitié du poisson, les oiseaux ils se noient dans les filets, ils se prennent dedans. Bah au bout d'un certain quota d'oiseaux noyés, pour respecter l'environnement, le bateau est obligé de partir pêcher ailleurs. À cause des putains de piafs de merde. C'est pour ça que ça a tendance à un peu énerver le capitaine. Et le capitaine, quand il est énervé, bah il le fait savoir en général. Merde, voilà le capitaine, merde, tout ça bâbord, tous. Hein, mais c'est où bâbord? En fait, si tu veux, ce film, c'est à échelle réduite, une métaphore de la mondialisation. Et voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces voyageurs qui partent aux îles Kerguelen, vous allez sur Cube, KUB, vous tapez posté à bord, vous regardez le film. Après, on peut en débattre et tout, c'est cool, vous mettez des commentaires. N'hésitez pas aussi à aller regarder d'autres vidéos. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite parce qu'il y a plein de trucs sur Cube. J'y vais, je vous fais un gros bisou et comme on dit chez moi, quel aveu.